Bonjour à tous et bienvenue dans le Si je s'invite chez vous du mois de juin. Ce mois-ci, nous avons encore tout un tas de choses à vous présenter, notamment l'Assemblée Générale du Sige, ou encore la journée des donneurs de sang, ou bien un sujet sur le festival Musique Métis. N'hésitez pas à vous installer et à regarder le Si je s'invite chez vous. Un temps important dans la vie d'une association, c'est son assemblée générale. L'assemblée générale du Centre Information Jeunesse aura lieu le 16 juin à partir de 18h, ici, dans nos locaux. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes vous-même membre de l'association. Vous pourrez avoir un état des lieux de l'activité de l'association, de son bilan financier. Et surtout, il y aura l'élection du nouveau conseil d'administration. Venez nombreux, nous vous attendons le 16 juin à partir de 18h pour l'Assemblée Générale du CIJ, ici au Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Et bonjour à tous, vous me surprenez en pleine séance de travail, oui, je tiens à le préciser, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer qu'au Centre Information Jeunesse, nous avons une terrasse qui est totalement équipée comme vous le voyez. On a la Wi-Fi gratuite, donc c'est un espace de travail super agréable, je vous le confirme, sur la place du Champ de Mars. Et on vous propose de découvrir cet espace, entre autres à l'occasion des journées portes ouvertes des tiers-lieux, qui est organisée par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc vendredi 10 juin de 13h à 18h, on ouvre la terrasse. C'est pas open bar, c'est open terrasse. Et à cette occasion, on vous offre une boisson aussi pour venir découvrir cet espace de travail, de rencontre, de discussion. C'est un tiers lieu, c'est à vous de choisir de l'usage que vous aurez de cet espace-là. Je vous le disais, c'est aussi un espace de travail que nous on utilise pour accompagner les jeunes au quotidien. Et notamment en ce moment, ça me permet aussi de vous annoncer une information importante qui va concerner tous les étudiants, futurs étudiants dans les carrières sociales, paramédicales et également les filières de la santé, puisqu'il y a une bourse qui est dédiée à ces études-là. C'est une bourse qui s'adapte en fait, qui est le copier-coller entre guillemets des bourses du ministère de l'Enseignement supérieur, mais dédiée à ces filières-là. C'est la région qui propose un financement pour ces études-là. Donc il faut dès maintenant, c'est-à-dire à compter du 2 juin 2022, faire cette demande de bourse. Il n'y a pas forcément de critères en termes d'âge ou de domiciliation, c'est vraiment des critères de ressources qui sont pris en compte pour pouvoir accéder à ces ressources financières de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller consulter le règlement sur le site Les Aides de la région Nouvelle-Aquitaine, dans lequel vous allez retrouver ces bourses-là, avec le détail des critères d'éligibilité. Et si vous êtes dans les clous, pensez à faire votre demande donc avant le mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Isabelle Lanier qui est chargée relations entreprises au CFA du bâtiment de Chasseneuil et qui va nous parler aujourd'hui d'un projet qui va voir le jour donc le samedi 11 juin autour de l'étang du plan d'eau de Saint-Yrieix. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette aventure ? Oui, tout à fait, bonjour. Cet événement aura lieu au plan d'eau de Saint-Yrieix, on parle bien d'un parcours d'orientation où on va retrouver nos entreprises du bâtiment qui vont venir représenter leur métier et également recruter leurs apprentis autour du parcours. Il y a le côté en fait entreprise qui présente un petit peu les différents métiers qui sont proposés dans leurs entreprises finalement, les différents parcours possibles. Et en même temps, pour eux, l'occasion justement de pouvoir, autour de cette présentation, recruter éventuellement des jeunes qui seraient intéressés par ces métiers. Les entreprises aujourd'hui recrutent. Elles recrutent du CAP en passant par le brevet professionnel et le BTS. Donc on aura différentes balises qui vont représenter les différents corps de métier et des petits groupes de jeunes qui viendront découvrir et échanger avec les entreprises. On a tous les corps de métier. D'accord. Donc on a aussi bien des maçons, des couvreurs, on a également des métalliers, des peintres, des élèques. D'accord. Tous les métiers sont sur cet événement-là. Donc les seuls critères finalement, c'est d'être dans les limites d'âge du contrat, c'est d'apprentissage finalement. Et d'avoir envie de découvrir les métiers et de s'orienter vers les métiers du bâtiment. On est accompagné sur ce
projet-là par nos branches professionnelles, Fédération française du bâtiment, CAPEB, mm-hmm. et puis également nos partenaires, Mission locale, Pôle emploi, donc vous, le CIGE, hein, parce oui, que grâce ça. À vous aussi, on peut diffuser l'information auprès des jeunes, et puis d'autres partenaires et des partenaires financiers qui se sont associés à notre événement. Effectivement, donc on parlait de la présence aussi du CIGE. Nous, on sera présents pour pouvoir proposer de l'information sur tout ce qui concerne finalement, bah, ça peut être la formation, ça peut être les conditions aussi, comment accéder à l'emploi, toutes les aides possibles qui peuvent exercer, que ce soit les aides de la région, mais aussi les aides pour l'emploi, pour la mobilité, voilà, tous les freins qui pourraient éventuellement arriver quand on est en recherche effectivement d'insertion. L'objectif, on parle bien d'un parcours d'orientation, mais c'est vraiment de découvrir toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui peuvent faire qui sont plus plusieurs polyvalentes, métiers. Oui. Et ça, c'est oui, ça fait une bonne année, voire deux, avec le Covid, où on a vu justement les entreprises s'agrandir et justement développer des nouvelles compétences et développer des nouveaux métiers. Donc du coup, ça permet vraiment d'échanger, de découvrir des métiers où on peut des fois ne pas avoir connaissance, et puis après d'amener à un éventuel entretien. Pour s'inscrire, pour participer. On prend contact avec vous directement. C'est ça, vous pouvez contacter BTPCFA Charente, vous demandez Isabelle et on peut effectivement vous inscrire sur le projet. Vous avez également un QR code qui sera diffusé de façon à accéder directement au formulaire. Au formulaire d'inscription. Où vous pouvez également vous inscrire et de cette inscription, vous recevrez de toute façon les informations concernant l'organisation. Merci beaucoup Isabelle et puis à très bientôt au plan d'eau. En espérant qu'il fasse beau pour nous accompagner sur cette journée. Aujourd'hui, sur ce mercredi européen, Europe Direct des Charentes est présent avec un stand où nous informons les citoyens qui se présentent sur l'Union européenne avec un certain nombre de documentations sur l'Union européenne, son fonctionnement et ses actions. Et nous avons aussi la chance d'avoir un grand jeu qui se présente sous une énorme bâche de 4 mètres carrés qui s'appelle le jeu de loi, qui nous est mis à disposition par l'association Eurodoxa. C'est un jeu qui se présente un petit peu comme le Cluedo et l'objectif, c'est non pas de retrouver un criminel, mais bien de faire voter un texte au Parlement européen. C'est un jeu très ludique qui se joue jusqu'à 10 personnes avec des grands comme des petits. Et en quelques minutes, ça permet de découvrir comment fonctionne le processus décisionnel de l'Union européenne. Llámame un yate y no hay quien que se le empate, bate hasta que se gate. La vida se hizo pase de sacate. Tora una matina nakuma swandu aranyandu tsara yana. Vero. Tandi finda una nura natafu tola. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dispositif Un bol d'air frais, qui est un dispositif d'aide de départ en vacances pour les étudiants de 18 à 26 ans pour des séjours à tarif préférentiel en Nouvelle-Aquitaine. Les étudiants ayant un quotient familial de moins de 900 euros pourront bénéficier d'une aide maximale de 180 euros sur des tarifs d'hébergement. Pour consulter les nombreuses apps, rendez-vous sur bolderfrais.com et n'hésitez pas à contacter par mail bolderfrais@unat-nouvelle-aquitaine.fr. Et j'ai une deuxième information à vous donner. Ce week-end, donc le 3, 4, 5 juin, aura lieu le Festival de musique métisse au Chemin Gélis à Angoulême. Au programme, concerts, rencontres littéraires, espaces jeunesse, programmation de films, tout pour passer un bon moment ensemble. Côté tarif, il y aura un pass une journée à 24 euros, un pass 3 jours à 57,50 euros et bien sûr gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Donc, n'hésitez pas à consulter le site pour avoir plus d'informations à musique-nouvelle-aquitaine.fr.
www.métis.com. Voilà, bonne journée à tous. Bonjour à tous, nous allons parler de santé. Donc, tout d'abord aussi, au sein de notre espace ressources santé, vous allez retrouver de nombreuses informations sur votre santé, mais également sur toutes les démarches à effectuer auprès de la caisse d'assurance maladie. Justement, nous allons faire le point sur les bons gestes à adopter lorsque vous avez 18 ans. Donc, vous allez passer d'un statut d'ayant droit à un statut d'assuré. Vous devez mettre à jour la carte vitale une fois par an et à chaque changement de situation dans les bornes installées dans toutes les caisses d'assurance maladie ou en pharmacie, ouvrir un compte Amélie pour suivre vos remboursements, modifier vos informations personnelles ou encore poser vos questions via la messagerie en ligne, transmettre votre relevé d'identité bancaire par voie postale à la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Vous devez également déclarer un médecin traitant pour vous assurer un meilleur suivi médical. Enfin, adhérer à une complémentaire santé pour compléter le remboursement de l'assurance maladie et diminuer le reste à charge. Le CIJ peut bien évidemment vous aider et vous accompagner dans toutes ces démarches. Autre information importante, le 14 juin prochain, il va se dérouler la Journée mondiale des donneurs de sang. Vous allez retrouver de nombreuses informations au CIJ dans notre espace ressources santé. Et le 14 juin va se dérouler une collecte de sang au niveau du SA15 Charente Stade Chanzy. Donc cette collecte va se dérouler de 14h30 à 19h30. Si vous voulez plus d'informations sur cette collecte ou même sur d'autres lieux, d'autres points de collecte, d'autres dates, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le site dondesang.efs.sante.fr. Merci à tous d'avoir visionné ce CIJ s'invite chez vous du mois de juin. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant un like ou bien en vous abonnant et en partageant cette émission. Nous, on se retrouve au mois de juillet pour le dernier CIJ s'invite chez vous de l'année.